qui nous là. Il n'est pas obligé de lever nous grand matin, mais il fait. Parce qu'il y a encore une acquitteuse pour nous aujourd'hui. Alléluia. Laisse-nous mettre nous debout ce matin. Nous pour louer nous Seigneur ensemble. Nous pour louer nous papa ensemble. Nous pour adorer de tous nos cœurs, par comme nous sait et dire en esprit et en vérité. Alléluia. Alléluia. Sois le bienvenu parmi nous, Saint-Esprit, ce matin. Alléluia. Nous accueillons à toi, Saint-Esprit, ce matin. Sois le bienvenu, toi-même l'invité d'honneur au milieu de nous, Saint-Esprit, ce matin. Laisse-nous commencer à louer nous, papa, déjà. Nous louer pour ce grandeur. Nous louer pour tout ce qu'il y pour faire. Pour tout ce qu'il y pour dire nous encore ce soir à travers ce parole. Pour tout ce qu'il nous pour apprendre ce matin dans sa présence. Ô Seigneur, nous louer toi, Seigneur. Tu es loué, tu es béni, tu es glorifié dans ce lieu ce matin, Seigneur, Saint-Esprit. Bienvenue au milieu de nous, Saint-Esprit. Alléluia. Bienvenue, Saint-Esprit. Alléluia. Mon content dans ta présence, remplis-moi, remplis-moi puissance, remplis-moi la vie. Nous redis-les encore. Bienvenue Saint-Esprit, bienvenue Saint-Esprit. Sois le bienvenu dans ce lieu Saint-Esprit. Mon content dans ta présence. Remplis-moi. Remplis-moi tout puissant. Remplis-moi la vie. Remplis-moi la vie. Laisse-nous t'y aller encore. Bienvenue, bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue. Sois le bienvenu Saint-Esprit. Sois le bienvenu avant tout au milieu de nous les cœurs, au fond de nous les cœurs Saint-Esprit. Parce qu'il nous pas capable faire non lié sans toi Saint-Esprit. Alléluia. Remplis-moi tout puissant. Remplis-moi la vie. Remplis-moi la vie. Toi même la rivière. Toi même la rivière. Bon Dieu. Qui jamais pas poussé. Consolateur, conseiller. Consolateur, conseiller. Remplis-moi la vie. Remplis-moi la vie. Toi-même la rivière. Toi-même la rivière. Bon laisse la rivière la couler dans nous la vie, dans nous les cœurs ce matin. Alléluia. Consolateur, conseiller, consolateur, conseiller, remplis-moi la vie, remplis-moi la vie, remplis-moi la vie. Bienvenue Saint-Esprit, bienvenue Saint-Esprit. Laisse-nous chanter de tous les cœurs ce matin. Laisse-nous dire les bienvenus ce matin. Bienvenue au milieu de nous, Saint-Esprit. C'est dans ta présence qui nous vient, Saint-Esprit. Remplis-moi, tout puissant. Remplis-moi la vie. Remplis-moi. Nous t'y allions encore. Bienvenue, bienvenue, Saint-Esprit. Bienvenue, Saint-Esprit. Bienvenue, 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 Saint-Esprit. Agir comme à toi, Saint-Esprit, mouvoir comme à toi ton vie, faire comme à toi ton vie, Saint-Esprit. Remplis-moi, tout puissant. Remplis chacun de nous, Saint-Esprit. Remplis-moi la vie. Toi-même la lumière. Toi-même la lumière. Alléluia, consolateur, conseiller, éclaire-moi la vie,
ce matin. Alléluia, qui jamais pas pour t'aimer. Consolateur, conseiller. Consolateur, conseiller. Éclaire-moi la vie, éclaire-nous la vie, Saint-Esprit. Éclaire-moi la vie. Toi même la lumière. Toi même la lumière. Laisse ça la lumière, là éclaire-nous ce matin. Laisse-nous pas une vie là au vin ce matin. Mais laisse la lumière, bon Dieu, éclaire-nous l'esprit ce matin. Afin qu'il nous capable de comprendre une petite chose d'en haut ce matin. Alléluia. Éclaire-moi la vie. Éclaire-moi la vie. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Alléluia. Bienvenue, bienvenue Saint-Esprit. Mon content dans ton présence. Remplis-moi, remplis-moi, tout puissant. Remplis-moi la vie, remplis-moi la vie. Bienvenue, bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Laisse-le tout nous les cœurs, nous accueillir lui ce matin. Nous accueillons le Saint-Esprit de tous les cœurs ce matin. Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Sois le bienvenu dans sa culte-là ce matin, Seigneur. Alléluia. Puissance, remplis-moi la vie. Nous faire la prière-là. Remplis-moi la vie. Remplis-moi la vie. Remplis-moi la vie, remplis-moi la vie, remplis-moi la vie, remplis-moi la vie, remplis-moi la vie ce matin, remplis-moi la vie. Nous t'y allons, éclaire-moi la vie, éclaire-moi la vie. Éclaire-moi la vie, Saint-Esprit. Éclaire-moi la vie. Tiens-lui encore, éclaire-moi la vie. Éclaire-nous ce matin, Saint-Esprit. Ouvre-nous les yeux, laisse-nous ouvrir nos yeux spirituels ce matin. Alléluia. Éclaire-moi la vie. Éclaire-moi la vie. Éclaire-moi la vie. Éclaire-moi la vie, Saint-Esprit. Éclaire-moi la vie. Alléluia, éclaire. Éclaire-moi la vie. Éclaire-moi la vie, Saint-Esprit. Éclaire-moi la vie. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit pour ban quelque chose qui te peut apporter ce matin. Seigneur, nous nous vînons là, ton peuple nous vînons là ce matin. C'est parce qu'il nous donne l'expectative, Seigneur, qui te peut, tiens-nous une quelque chose, te peut apporter un bienfait dans nous la vie ce matin. Alléluia. Seigneur, nous ouvrons nos yeux spirituels ce matin. Nous ouvrons nos oreilles spirituelles ce matin. Afin qu'il nous recevoie de toi pleinement ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Saint-Esprit. Merci Seigneur Saint-Esprit. Merci pour chaque léguerre qui a soifé de toi ce matin, Saint-Esprit. Chaque léguerre qui vraiment désire toi ce matin, Seigneur Saint-Esprit, dans ta présence, qui souhaite recevoir de toi ce matin, Seigneur Jésus. Alléluia. Saint-Esprit, touche-moi léguerre. Alléluia. Saint-Esprit, touche-moi les pieds. Saint-Esprit, touche-moi les pieds. Moi les pieds, li pas pour parer. Saint-Esprit, touche-moi les pieds.
Laisse-nous vraiment laisser cette parole-là résonner dans nous les cœurs ce matin, dans nous la vie ce matin. Il n'est pas juste un chant, mais laisse-nous faire de ça chant-là et la prière. Laisse-nous exprime-nous à travers sa cantique-là ce matin. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, touche-moi les cœurs. Touche-moi les cœurs, Saint-Esprit. Touche-moi les cœurs. Moi les cœurs, les pas pour parer. Saint-Esprit, touche-moi les cœurs. Laisse-nous chanter ensemble. Touche-moi les cœurs. Saint-Esprit, touche-moi. Seigneur Saint-Esprit, touche-moi les cœurs ce matin. Saint-Esprit, touche-moi les cœurs, mon les cœurs, les pas pour parer. Saint-Esprit, touche-moi les nous t'y allions encore. Touche-moi les cœurs, Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit, touche-toi au fond de tous les cœurs ce matin. La côte est impossible à l'homme. La côte est insicatrisable par la médecine. La côte n'est pas fait réussir par toi-même. Laisse le Saint-Esprit touche-toi ce matin. Alléluia. Alléluia. Quand c'est toi qui touches Saint-Esprit, touche-moi les cœurs. Touche-moi la vie, Saint-Esprit. Touche-moi la vie. Laisse-lui toucher la vie ce matin. Saint-Esprit, touche-moi la vie. Moi la vie, moi la vie. L'y pas pour parer. Quand c'est toi qui touches Saint-Esprit, touche-moi la vie. Touche-moi la vie. Saint-Esprit, alléluia, Saint-Esprit, touche chaque domaine de nous la vie, Seigneur Saint-Esprit. La côte, involontairement, peut-être que tu es absent dans un domaine de nous la vie, Seigneur. Alléluia, ce matin, touche-nous la vie, Seigneur Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, Saint-Esprit, touche-moi la vie. Vine dans mon cœur, Saint-Esprit. Vine dans mon cœur. Abrite-moi et reste dans mon cœur, Saint-Esprit, en tout temps. En tout temps, parce qu'il nous bise à toi, plus qu'il tout quitte, Saint-Esprit. Mon cœur, n'est pas pour parer. Saint-Esprit, vine dans mon cœur. Change-moi la vie, Saint-Esprit. Change-moi la vie. Oh Seigneur Saint-Esprit. La côte Seigneur nous change direction. La côte Seigneur nous panale dans direction qui toi t'envie nous aller Seigneur. Change-nous ce matin Seigneur Saint-Esprit. Change-nous Seigneur Saint-Esprit. Quand c'est toi qui changeais Saint-Esprit. Change-moi la vie. Tiens, lis encore. Change-moi la vie. Saint-Esprit. Change-moi la vie. Change-moi la vie. La côte, Seigneur, nous t'y ferons de faire par nous-mêmes. Nous t'y ferons de faire par nous l'intelligence. Nous t'y ferons de faire par nous ban l'expérience. Par nous ban vécu, Seigneur. Alléluia, ce matin, Saint-Esprit. Change-nous, Saint-Esprit. Alléluia, les pas pour parer, Saint-Esprit. Change-moi la vie. Moi la vie, moi la vie. Les pas pour parer. Quand c'est toi qui changes, Saint-Esprit. Change-moi la vie. La vie, mon la vie, n'est pas pour parer. Alléluia, alléluia. Saint-Esprit, change-moi la vie. Alléluia.
Jésus. Change-nous ce matin, Seigneur Jésus. Merci, Papa éternel. Merci pour chaque changement qui te pourra porter dans chaque petit détail de nous la vie, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Papa. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Et moi, je crois qu'il ferait même le Seigneur, qui le Seigneur apporte le changement qui doit te l'aider dans toute la vie ce matin. Alléluia, merci Jésus. Nous pouvons louer ensemble, nous pouvons taper nous la main ensemble. Quand Jésus-Christ il a la croix, couronne d'épines sur la tête. Laisse-le taper nous la main ensemble ce matin. Quand Jésus-Christ il a la croix, couronne d'épines. Couronne d'épines sur la tête. Dans sur les côtes, tiens la souffrance. Dans sur les côtes, tiens la souffrance. Dans sur les cœurs, tiens à l'amour. Dans sur les cœurs, tiens à l'amour. Nous veut dire les quand Jésus-Christ il a la croix. Jésus-Christ il a la croix. Couronne d'épines. Couronne d'épines sur la tête. Dans sur les côtes, tiens la souffrance. Dans sur les côtes, tiens la souffrance. Et dans sur les cœurs, tiens à l'amour. Dans sur les cœurs, tiens à l'amour. Quand Jésus-Christ il a la croix, quand Jésus-Christ il a la croix, couronne d'épines sur la tête, couronne d'épines sur la tête, dans sur les côtes tiens la souffrance, dans sur les côtes tiens la souffrance, et dans sur les cœurs tiens à l'amour, dans sur les cœurs tiens à l'amour. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Laisse-nous chanter de tous les cœurs ce matin. Alléluia. Quand Jésus-Christ il a la croix, quand Jésus-Christ il a la croix, louez, louez ce matin. Couronne d'épines sur la tête. Dans sur les côtes, tiens la souffrance. Dans sur les côtes, tiens la souffrance. Mais dans sur les cœurs remplis d'amour. Dans sur les cœurs, tiens la l'amour. Quand Jésus-Christ, il a la croix. Quand Jésus-Christ, il a la croix. Couronne d'épines sur la tête. Couronne d'épines sur la tête. Sur les côtes, il meurtrit, déchiré. Mais sur les cœurs, il remplit avec amour. Dans sur les cœurs, tiens la l'amour. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Je tiens à lire, me louer, bon Dieu, de tout me léquer. Me louer, bon Dieu, de tout me léquer. L'y remplis-moi avec ce l'onction. Chantez ce matin, peuple de Dieu. Mon croix, tout ce qu'on a chanté là. Laisse-nous réjouir, nous, ensemble. Mon loué, bon Dieu. Mon loué, bon Dieu. Loué. Tout me l'équerre. L'y remplis-moi avec ce l'onction. Seul esprit, le moi. Seul esprit, le moi. Pas tout que tu m'as allé. Par sa parole, mon plus qui va. Mon loué, tous les jours. Mon loué, de mon la vie, mon adoli, mon loueli, tous les jours, mon loueli, tous les jours, de mon la vie, mon adoli, tous les jours. Qui fait, parce qu'il est plus grand, parce qu'il est plus faux, parce qu'il est fait. Alléluia. Qui fait, parce qu'il est plus grand, parce qu'il est plus faux, parce qu'il est fait. Nous rédions lui, mon loué, mon me louer, bon Dieu. Louer tout mon équerre. L'y remplis-moi avec ce l'onction. Seul esprit, le moi. Seul esprit, le moi. Partout que tu m'en allais. Par sa parole, me puisque qu'il a. Me louer-li tous les jours. Me louer-li tous les jours de mon la vie. Me adonner-li tous les jours. Me louer-li tous les jours. Me louer-li tous les jours de mon la vie. Mon adolé, tous les jours. Qui fait?
fait qui fait. Parce qu'il y fait. Parce qu'il y plus faux. Parce qu'il y fait. Alléluia. Livez-le moi tous les jours. Parce qu'il y plus grand. Parce qu'il y plus faux. Parce qu'il y fait le moi. Mon bon Dieu, ensemble. Ensemble, ouais. Mon bon Dieu, ensemble, ouais. Mon bon Dieu, il bien grand, il bien faux. Mon bon Dieu, ensemble, ouais. Mon bon Dieu, ouais. Mon bon Dieu, il bien grand. Nous retiendrions encore ensemble. Mon bon Dieu, mon bon Dieu, ensemble, ouais. Mon bon Dieu, ouais. Mon bon Dieu, il bien grand, il bien faux. Mon bon Dieu, tous ensemble, ouais. Mon bon Dieu, ensemble, ouais. Mon bon Dieu, il bien grand, il bien faux. N'a pas la personne. Qu'il n'a pas la personne, plus grand qu'il n'a pas la personne, plus grand qu'il n'a pas la personne. Je dis à lui Jésus, mon reconnaissant. Jésus, mon reconnaissant. Alléluia, alléluia. Pour allons la croix. Jésus, Jésus, soyons reconnaissants de tous nous les cœurs ce matin. Qui finge. Jésus, Jésus, mon reconnaissant pour ce qu'il te fait. Pour moi, l'eau, la croix, pour moi, Seigneur. La croix. Jésus, Jésus, mon reconnaissant pour te disant qui vient guérir-moi. Oui, Seigneur, Seigneur, oui, ton merveilleux, ton admirable, ton formidable. Seigneur, Seigneur, oui, ton merveilleux. Chalalalalalala, chalalalalala, dansez, dansez. Laisse-nous réjouir nous ce matin. Chalalalalalalala, chalalalalalala, chalalalalalalala, chalalalalalala, chalalalalalalala, chalalalalalalala, chalalalalalalala. Mon bon Dieu, ouais, mon bon Dieu, ouais, mon bon Dieu, il bien grand, il bien faux, mon bon Dieu, ensemble, ouais, mon bon Dieu, ensemble, ouais, mon bon Dieu, il bien grand, il bien faux, mon papa, ensemble, ouais, mon papa, il bien grand, il bien faux, mon papa, ensemble, ouais. Mon papa, ouais, mon papa, il est bien grand, il est bien faux. Alléluia. Laisse-nous acclamer nous Jésus ce matin. Alléluia, merci Seigneur. Vrai même. Qui c'est là qui a dit, bon Dieu, pas bon, nous papa, pas bon. PS, nous papa, il est bon. Alléluia, merci Seigneur. Merci Jésus. Il se connaît, fait 2-3 semaines là. Il y a un verset qui tout le temps revient dans mon tête, dans mon pensée. Les larmes me disent, mais qui le Seigneur puis envie de montrer moi à travers un verset là? C'est pourquoi nous tous nous connaissons un verset là? C'est donc à Galates, le chapitre 5, le verset 22. Il dit à nous, si nous sommes Jacqueline Carmetli, il dit à nous, les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie. Il y a toute une liste là. Mais mon papa, j'ai dit, chaque fois qu'on me lit ce verset là, il y a une fois mon sentiment. Je me condamne moins dans un sens parce que, franchement, vous dire, je ne peux pas vivre tout. En toute honnêteté. Et une fois, je ne peux pas vivre tout. En permanence, tous les jours, je peux mentir aux autres si je vis tout. Alors, je me dis, Seigneur, mais qui te fait envie, montrez-moi à travers ce verset là. Là, il dit à moi, tu connais ici, dans la vie, tu peux faire face à tout le contraire de ce qui est écrit. L'amour est lié, on me dit, à l'amour. C'est quoi le contraire de l'amour? La haine. Nous pouvons faire face à la haine, le sang, la terre là. La joie. C'est quoi le contraire de la joie? C'est la tristesse. Et nous pouvons tristes.
nous pour affronter la tristesse, la paix, nous pour pas tomber en trouble, vous autres. La patience, et la foi, nous pour sape locale, hein. Moi, pas que des autres, moi, oui, hein. Oui. La bonté et tout ça là, nous pour faire face. Alors, je me dis, Seigneur, ça ne coûte là comme on lit, allez. Je ne condamne pas. Je ne sens pas un réconfort, je ne connais qui faire parce que nous, oui, nous pouvons faire face à tout ça là. Mais nous, l'avantage, c'est qu'il nous peine à pouvoir affronter lui tout seul. Nous, Jésus, avec la là, il met le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il met l'amour en premier qui fait. Jésus même, ça l'amour là. Lui-même, il est avec nous. Peu importe circonstance qui nous peut faire face, Jésus est là. Vous connaissez, chaque fois, il y a un problème pour changer, non, toi, hein? Qui s'en a qui, moi, il y a 35 ans. Qui s'en a qui plus âgé qui moi, lève la main. Je ne vais pas dire ce, dire moi, je te lâche. Juste pour cette question. Oui, est-ce qu'il se te cas, dire moi, si problème inarrêté à sa âge là? Problème pas arrêter. Et mon pense pas lui pour arrêter, hein. Mon pense pas lui pour arrêter. Mon pense pas lui pour arrêter. Qui fier? Parce que nous but, c'est pas ici. C'est qui quand ça joue là, venir malgré divant, malgré cyclone, malgré tempête. Nous pour bisentendre ça non là, viens bon et fidèle serviteur. Alléluia. 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 C'est nous buts, l'eau venu, l'eau salatée là. C'est juste. Et n'a problème pas pour résolu, vous êtes. Mon papa dit, des fois, problème là, pas pour résolu. Mais faire en sorte que ça problème là, pas mets-toi à terre. Alléluia. Laisse-nous tout le temps conscients qui nous peinons pour affronter lui tout seul. Jésus avec nous en tout temps. L'amour, il met l'amour. L'amour là, c'est Jésus, c'est lui-même ça. L'inal prépare une place pour nous. Faire en sorte qu'il nous rentre dans sa place là, vous autres. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, nous pour chanter un chant, il dit, attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Laisse-nous abandonne tout aux pieds de Jésus. Soyons honnêtes envers nous-mêmes avant tout. Honnêtes envers nous-mêmes. S'il y a une situation qui peut fatiguer nous, qui vraiment, peut-être, il pousse nous à bout que nous n'est plus capable tellement, ça, une plante la haine dans nous, l'équerre dans nous être même. Ce matin, abandonne tout aux pieds de Christ. Alléluia. Laisse-nous commencer à prier ensemble. Exprime-toi en prière ce matin. Et surtout, sois honnête envers toi-même. Parce qu'il là que tu n'es pas capable, là même qui bon Dieu pour agir. Laisse-nous pas faire par nous-mêmes. Nous dire nous fatiguer, souffrir, nous fatiguer, réfléchir. Mais laisse Jésus prendre contrôle aujourd'hui. Alléluia. Ô Seigneur Jésus, voici ton peuple devant toi ce matin. Laisse-nous prier ensemble ce matin. Seigneur Jésus, voici ton peuple ce matin. Devant toi, Seigneur, te connais chacun de nous. Te connais l'état de nous, l'équerre. Te connais l'état de nous, âmes, Seigneur, quand nous venons là ce matin. Te connais qui alourdit nous, l'équerre, qui alourdit nous, âmes. Mais ce matin, Seigneur, oui, ça, il fait à nous du mal. Mais ce matin, nous n'est plus capables. Il a assez souffert comme ça, mais Seigneur, ce matin, nous, on vit remettre-nous totalement à toi. Et Seigneur Jésus, restaure-nous l'amitié avec toi, Seigneur Jésus, ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur. Attire-moi à toi. Alléluia. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, tu es mon désir. Je ne veux que toi, Jésus. Je ne veux que toi. Alléluia. Non, rien ne peut te remplacer.
dans tes bras. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène, à toi. Laisse-nous redire Lyonko. Attire-moi à toi. Alléluia. Chante de toutes les cœurs ce matin. Attire-moi à toi. Alléluia. Seigneur Jésus. Peu importe qui cyclone, qui tempête nous faire face ce matin, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous prenons une décision pour nous restaurer nous l'amitié avec toi, Seigneur. Alléluia. Et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Alléluia. Nos vies et nos désirs existent tout seul, Jésus. Je ne veux que toi. Oh, oh, rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Alléluia. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi, Seigneur Jésus. Garde-moi près de toi. Tu es tout, tu es tout pour moi, Jésus. Tu es tout. Laisse-nous dire lui de toutes les guerres. Laisse-nous reconnaître. Nous reconnaître totalement que Jésus lit tout pour sans nous. Toi, malgré bonne problème, malgré bonne situation. Alléluia. Laisse-lui vivre tout pour nous. Tu es tout. Moi, garde-moi près de toi, garde-moi près de toi. Tu es tout, tu es tout. Laisse ma parole là résonner en nous ce matin. Tu es tout pour moi, Seigneur Jésus. Et nous pas capables de vivre sans toi, Seigneur Jésus. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi, tu es tout. Moi, garde-moi près de toi, Jésus. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi, Seigneur Jésus. Garde-moi près de toi. C'est là qui m'a bien. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Laisse-nous adorer en ce moment. Laisse-nous adorer nous, papa, en ce moment. Exprime-toi ce matin. Fais monter ta voix. Laisse le Seigneur tendre-toi ce matin. Peu importe qui te peut faire face ce matin. Laisse-lui tendre-toi ce matin. Laisse-lui touche-toi ce matin. Laisse-lui change-toi ce matin. Laisse-lui vraiment agir dans toute la vie ce matin. Oh Rabba Shekelerebe. Oh Yarana Marada Basha Kalara. Oh Rabba Shekelerebe. Yarana Mayana Mar. Oh Jésus, Jésus. Litan, litan le cri de ton équerre ce matin. Li connaît de quoi ton père souffert. Li connaît de quoi ton père manquer. Mais ce matin, il n'arrive l'air pour toi arrête de souffrir de sa situation là. Laisse-lui prendre contrôle. Laisse-lui prendre le dessus. Laisse-lui prendre la relève. Aujourd'hui, dépose-toi à ses pieds ce matin. Oh, la mâche qu'elle tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi.
toi. Garde-moi près de toi, Seigneur Jésus. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Alléluia. C'est la prière ce matin, Seigneur, qui nous pas senti en dehors de toi les ailes, mais nous reste en tout temps sous ta protection. Près de toi, Seigneur, parce que c'est là qui nous vient, Seigneur. C'est là qui nous vient, Papa. Alléluia. Alléluia. Travaille en nous, Seigneur, afin que ton nom l'y ait glorifié en tout temps, Seigneur. Pas par nous, mais que ton nom l'y ait glorifié, Seigneur. Au nom de Jésus. Tout la gloire l'y pour toi, Papa. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, frères et sœurs, eh bien, bonjour à tous. Et nous la bienvenue dans la présence de Dieu ce matin. Amen. Ce n'est pas un hasard, nous là, c'est nous choisir pour être là. Amen. Et je crois certainement, nous pour, Dieu, l'iconique fait nous là. Et qui nous vient écouter, qui nous vient comprendre, tout ça, c'est Dieu qui contrôle. Avant d'en prier, laissez-nous dire, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour tout. Merci pour l'occasion même de nous venir là aujourd'hui. Merci pour cette communion fraternelle. Merci, Seigneur, notre Dieu, que l'amour est vraiment grandi parmi nous, Seigneur, notre Dieu. Merci, Seigneur, mon louer toi, tout ce qui te peut faire, Seigneur, notre Dieu, parmi nous. Merci pour de l'esprit. Ah oui, Seigneur, merci pour de l'esprit. Merci pour la parole de Dieu qui maintenant nous peut écouter, Seigneur, notre Dieu. C'est toi qui choisis le sujet et tout, Seigneur, oh Dieu. Moi, simplement l'instrument de la main. Seigneur, merci pour chaque qui sont là. Ils sont là différemment, Seigneur. Les pour comprendre quelque chose de grand, Seigneur, oh Dieu. Tout l'honneur, toute la gloire, les revenir à tout seul. Amen. Et comment vous êtes carrément, ok? Bon, voilà. Presque souvent, sinon presque tout le temps, vous m'opérez pour la bonne question qui le croyant lui posait. Souvent, je trouvais vos bonnes méchants, c'est qui me répond la bonne question qui le croyant posait. Et c'est tellement qu'un croyant pose une question, il a envie d'une réponse, mais tout le temps paye dans sa direction-là pour répondre à ma question. Et il y a un mot que je fais ce matin. Et si vous avez besoin d'un titre à ce qui nous peut regarder aujourd'hui, je vais vous dire voilà. Et quand bon Dieu paraît injuste, maintenant, bien, vous ne pouvez pas me dire bon Dieu injuste, un fait injuste, non. Quand il paraît injuste, pour vous expliquer maintenant qui nous vient comprendre pour que cette attitude-là, enfin, si nous sommes honnêtes en nous-mêmes, nous tout qu'il a, nous tout, y compris moi aussi, nous souvent trouvons qu'il bon Dieu est injuste. Mais c'est moi de ne pas nous dire qu'il faut, parce qu'il nous sentit qu'il nous pouvait appeler honte pour dire ça. Parce qu'il est bien injuste. Mais dans nos pensées, nous pensons que bon Dieu est injuste, il y a une faire. D'après nous, l'opinion. Alors, moi, je vais vous donner un bon éclairage sur ce sujet-là. Lisez avec moi le livre de Job. Et comment vous pouvez dire que le livre de Job, c'est un livre qui nous vient prendre avec pincette, ça. Vraiment avec pincette. Bon, vous lisez dans la soeur, vous mettez la version du second. Tant tu crois, je crois qu'il y a une petite différence, le verset, c'est attendez. Le second, il y a ça là. Attends. Tant tu crois. Alors, mon dieu, Job 40. C'est bon, hein? C'est bon, écoute. Ben, version, des fois, on n'y pas trop dans le même verset. Attends, on regarde, lis avec le second. Voilà, 40. Donc, moi, je mets le temps, hein? 40. 3. Bon, ok.
Job répondit à l'Éternel et dit, ok, nous gagnons verset 4. Vous avez 4 avec vous. Bon, pas grave. Écoute-moi, hein. Les différents avec version. Moi, j'ai une version du second là. Moi, j'ai une version Watchtower. Maintenant, je dis, moi, c'est quoi Watchtower? Watchtower, c'est la Bible qui le témoin de Jéhovah, c'est la vie. Maintenant, je peux expliquer ça. Beaucoup payent pour lire Watchtower. Mais si je connais comment lire Watchtower, il est bien aidé des fois. Alors, vous pouvez lire les différents en verset. Ici, dans le second, il est verset 3. Mais dans Watchtower, il est au verset 8. Regarde ce qui est le verset 3 de Job 40. J'ai dit non, 40. Ok, ça va. Job 40. Ok, non, tu peux t'attendre pour le moment, pas grave. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner raison, droit, pour te donner droit? Ça, c'est version seconde. Le même verset qu'il trouve au verset 8, il parle au 3, avec Watchtower, il dit, vraiment annuleras-tu ma justice? Un petit peu de compréhension. Vraiment annuleras-tu ma justice? Me déclareras-tu coupable? Bon. Merci Seigneur. Il paraît qu'il n'y a pas nous qui pensait Dieu est unfair, n'est pas juste. Pas juste nous qui pensons ça. Dieu peut reprocher à Job, il dit, est-ce qu'il te voit nil, justement, ou bien veux-tu prétendre que je ne suis pas juste? Il y a une version mondiale, hein, pour montrer qu'ici, aussi Job aussi, il tient dans sa mindset-là. Et pas juste Job, il y a une quantité qui vient dans la parole de Dieu qui tient dans sa mindset-là. Alors voilà, c'est un peu la question qui me répond. Et quand il paraît qu'il bon Dieu lui unfair. Ok. Et merci Seigneur. Merci Jésus. Maintenant, il dit bien, est-ce qu'il te pour penser qu'il est injuste pour donne-toi raison? Voilà, pour te donner droit. Pour te donner droit. Pour donne-toi raison. Laisse-nous que ça prenne quelque chose là. Bon. Merci Seigneur. La seule raison, voilà, voilà, doucement, doucement. La seule raison qui fait nous arriver à penser qu'il bon Dieu dit unfair, dit injuste, c'est parce qu'il a envie de raison. Tant qu'il te prend envie de raison, tu peux tout le temps. Pourquoi on a fait l'écho, Mourin Luther? Merci Seigneur. Merci Jésus. Elvin, tu as un goût? Ok. Tant qu'il t'a envie, gagne raison, tu peux trouver qu'il est unfair, il n'est pas juste. Et souvent, quand on pense, bon, et bon Dieu, unfair, qui fait l'effet? Remarquez, tu as trouvé que toi qui perds de raison. Et il dit ça bien là-dedans. Pour te donner droit, pour te prendre raison, toi. Ok. Maintenant, on va venir avec une histoire qui est bien intéressante. Souvent, quand nous arrivons à ce résultat-là, on veut dire, oh Dieu, il y a une faille, Dieu, il y a un juste dans cette histoire-là, dans ce qui est arrivé, il n'y a pas un juste alors. Il paraît, me dire là, right? Jamais Dieu est injuste, hein? On ne va pas dire que Dieu est injuste. C'est qui, par exemple, moi, je veux dire, ça, Seigneur, je fais tout. Ou bien aussi, on dit, Seigneur, je fais tout, mais ça va de moi aussi. Pourquoi? Maintenant, écoute ça. Il y a des manières de faire tout. Quand tu dis ça, Seigneur, je fais tout qui me vient faire. Tu dis, je vais jeûner, je vais prier, tu dis, je vais faire ça. Il n'y a pas de morse. Maintenant, écoute ça bien. Donc, vous coupez ça en deux là. Est-ce qu'il te fait tout ce qui est là, il enseigne toi, ou bien tu fais tout ce qui est bon Dieu dit? Il y a ta différence. Hein? Si tu fais tout ce qui est là, il enseigne toi, ce qui l'estrade, il enseigne toi. Ce qui te pasteur et enseigne toi. Est-ce qu'il te fait tout ce qui te pasteur et toi, ou bien il te fait tout ce qui bon Dieu fait et toi? Une belle différence. Laisse-moi prendre l'exemple pour expliquer sa différence. Mais là, tu peux trouver bon Dieu à faire. Ok.
des trois temps là, il y en a moins qui va nous expliquer qui demander, ask, demander. Oui, Jésus-Christ dit ask, pour gagner. Nous trouvons qui, quand tu viens child of God, quand tu viens enfant de Dieu, il n'est pas trop appliqué à toi. Je vais donner un exemple. Nous avons les trois temps, moi qui va. Je reprends cette idée-là parce qu'il est commun parmi nous. Là. Peut-être qu'il n'est pas commun dans d'autres églises, mais il est commun parmi nous. À un moment donné, Jésus-Christ dit comme ça, arrêtez, inquiète-toi de manger, boire, de la casse, de ta. C'est même païen qui roule ça. Donc, je trouve qu'il montre une différence entre toi et païen. Qui fait te demander parce que tu es inquiète-toi. Seigneur, moi, besoin de cesse, moi, besoin de le tout. Ouais. Mais Jésus-Christ dit bien, c'est même païen qui fera. C'est pas toi. Child of God. Mais quand tu me dis ça, la première fois, tu as quoi la child of God? Il nous explique ça et il va essayer d'expliquer ça. Non, doucement. Ok. Soit nous apprenons à être précis dans ce qui te peut demander. Vous l'avez le tout, Seigneur, vous l'avez dit bleu, vous l'avez dit Nissan, vous l'avez dit ça. Être précis. Nous trouvons les wrong, ça a idea là. Les wrong, carrément les wrong qui fait. Regarde ça. Maintenant, la Bible, jamais dit contredire la Bible. Sois sûr, la Bible, jamais dit contredire la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse, c'est one straight line, ça. Pas de contradiction. Sois toi qui mal comprends. Il dit, cherche le royaume de Dieu. Et toutes ces choses, your needs, will be provided, pour vous gagner. Il t'a demandé là? Non, mais il t'a demandé. Il doit seek the kingdom. Cherche le royaume, toi. Et toutes ces choses te seront données par-dessus. Will be provided, pour vous gagner ça. Finalement, ask. Donc, a child of God, le fils ne demande pas, disait autrefois Levi. Et c'est vrai, mon capable aller on and on. Et fais dire nous comme ça. Dieu qui est capable de toi au-delà même de ce qu'il te demandait ou pensait. Tu n'as même pas de pensée. Mon capable donne beaucoup de témoignages qui ne sont pas de pensée dans la vie monde gagné. Dieu qui a donné toi même d'affaires. So why ask? Pourquoi demander? Est-ce applicable à moi ça? Ou est applicable aux juifs? Ou bien il y a applicable à une certaine era, une période. Non, c'est une era, ça. Ok. Nous avons éclairé ça. Ma père est tout nous là. Maintenant, pour montrer la différence qui te fait tout ce qui te finit enseigner. Totalement différent quand tu fais tout ce qui bon Dieu nous a fait. Totalement différent. Quand tu trouves bon Dieu unfair, quand tu trouves bon Dieu pas juste, c'est quand tu fais tout ce qui va nous enseigner toi. Là, tu dis, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il n'est pas de bosser. Mais bon Dieu, il va le faire. Non, bon Dieu, il va le faire. Non, il va le faire. C'est que toi qui es wrong, toi qui peux penser, qui te fait tout. Non, il va le faire tout. Tu le fais ce qui m'a il enseigne toi. Et tout le temps, je te remarque qu'il me dit comme ça pendant 55 bonnes années la parole de Dieu à Maurice. Quoi qu'il 55 ans, si nous indépendants à Maurice, I don't know why, il est similaire. Et nous faisons wrongly et teach pendant des années. Pas tout, hein. Mais bon nombre de trucs qui vont payer 10 mains, comment le dire, de trouver régulièrement, tous les temps, on peut faire ça, mais montrer que ça c'est wrong. On n'a pas de mal d'affaires qui. Bon. Maintenant, quand tu trouves bon Dieu de faire, quand tu tombes de sa panne là, tu dis ça, ça va faire tout, on va pas gagner, on va faire tout, Seigneur, tu as une faire. Il n'y a pas une faire, lui. Toi qui ne fais ce qui est maintenant, il enseigne, toi. Tu vas faire ce qui est l'indire. Tu veux trouver la différence, hein? Tu as envie de donner-toi raison. Ton vie gagne raison. Bon, moi, l'esprit de l'affaire qui est un peu costé avec ça. Sur moi, papier, dis-moi. Fais de l'éternel tes délices et il donnera ce que ton cœur désire. Nous dira le psaume 37, je crois. 37, oui. Regarde-moi. Bon, il paraît, comment dire, c'est qu'il m'a enseigné depuis la nuit des temps. Jusqu'à ce qu'il m'a compensé cette affaire, moi, mon. Ça et oui. Qui m'a quand même dit ce que m'a envie. Faire de l'éternel te délice et lui donne-toi ce qui te déquiert désirer. Maintenant, je ne peux pas gagner ce qui me déquiert désirer. Oh, Seigneur, tu as le faire. Je peux venir de l'église, je peux croire en toi, je peux louer toi, je peux faire ce qu'il me faut faire. Mais je ne peux pas gagner ce qui me déquiert désirer. Donc, tu as le faire. Donc, tu es injuste. Le verset dit bidon. Somme 37, je peux causer. Mais coupe verset là, nous dit. Nous rentrons dans le fond verset là.
C'est ça qu'appelle étudier la parole de Dieu. Écoute ça. Quand tu fais un bon Dieu, te délice. Te demande pour différent. Quand tu es un chrétien moyen, moitié mondain, moitié chrétien, te demande pour différent. Quand tu fais un bon Dieu, te délice. Suive-moi bien. À Concerne, Jacques dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Your lust. Your lust. Maintenant, quand tu fais bon Dieu, tu te délices. Pas pour la lust. Pas pour la passion mondaine. Ta passion mondaine. Qui m'a demandé, qui ne t'a pas gagné? C'est ma passion. Moi, Jacques dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Mais si bon Dieu, tu te délices, ça va nous demander là-bas, tu peux exister. Il y a beaucoup de demandes qui te le font, tu le fais au niveau charnel. Tu le fais parce qu'il te désire les charnels. Qui vient parce qu'il t'en encore charnel. Et bon Dieu, pas encore vint te délice. Le verset livré, fais de l'éternel te délice et il donnera ce que ton cœur désire. Qui fait bon Dieu donne ça? Ça chèque en blanc là. Bon Dieu peut donner un chèque en blanc là. Mais toi, tu veux le sachet en blanc, mon pays, toi. Moi, donne-toi. Moi, je dis, Seigneur, comment tu exposes, toi, aussi, et blank check, comment tu dis, comment tu exposes, toi, comme ça. Il dit, mais quand ça dit, mon là, fais-moi ce délice, se demande régler, lui. Dieu lui a dit, se demande régler. Il ne pas demande n'importe quoi. Il ne pas demande ce que le monde demandait. Il ne pas demande ce qu'il demande demi-frère, demi-sœur demandait. Non, il ne pas demande ça, lui. L'île éternelle se délice. Et là, tu n'as pas trop bon Dieu rien faire. Non, tu n'as pas trop bon Dieu rien faire. Parce qu'il vous donne toi ce que tu lesquels désiré quand tu peux demander quelque chose qui, selon sa volonté. C'est tout ça de sati, sati morosa là. Quand bon Dieu paraît un faire. Ok. 25 minutes, ok, c'est beaucoup mon temps. Ok. C'est pas ce que tu as fait. C'est la différence. Ok. Je ne peux pas pouvoir vite lire. Je vais vite lire. Comment nous trouvons bon Dieu un fer? Comment bon Dieu paraît un fer? Et pourtant, il n'est pas un fer. Aïe. Matthieu 20 raconte nous un récit. Un patron sorti, il trouve un travailleur, il ne peut faire rien. Il dit à un travailleur là, mais il n'y a rien à faire. Rentre dans mon carreau au travail. Sorti à une lèvre plus tard, à nous dire c'était à l'éveil dire sorti. Il trouve la même chose, il dit, mon papa fait non, il dit, ben, la rentre dans mon corps au travail. Il sortit 3h l'après-midi, même affaire. Il sortit 5h l'après-midi, même affaire. Il dit, mon papa fait non, il dit, ben, la rentre dans mon carreau. Et vient travail. Et il tourne l'arrangement de tout pour nous autres. Un denier. Un penny, un denier. Un denier. C'est quand même c'est simplement. Et contrôle les enfants, vous n'êtes pas causé. Voilà, ok. Et vous donnez un denier. Regarde l'histoire, nous plus l'histoire bien là, nous plus l'histoire bien. Écoute-moi maintenant. Merci Jésus. Et Léa arrive pour payer. Dieu, enfin, patron de cette histoire-là, c'est Dieu. Le patron, lui, il paye dernier, ce qui nous rend dernier là, 5h l'après-midi là, qui ne travaille ici, il y a plus 6h, il travaille là. Up to 6h. La journée termine 6h. Le travail 6h, 5h, 6h. Puis il y a un denier. Ça qui nous rentre, c'était un grand matin là. Il dit, vous avez un fer. Il dit, Dieu, il dit, le patron, mais tu as un fer. Voilà, tu as un fer. C'est parce que nous passons la journée dans le gros soleil, nous peut gagner un denier. Le patron a expliqué, il dit, c'est que ça bosse. Il comprend l'affaire. Quand il tombe en grimette, grand matin, quand tu es en travail, grand matin, qui nous est convenu? Un denier, c'est salaire, un homme, une journée. Est-ce qu'il me donne un denier? Oui, il me donne un denier. Mais qu'est-ce qu'il doit trouver à faire là-dedans? Il dit non, mais ça va être une rentrée de temps après. Tant ça, hein? Ça va être une rentrée de temps après. Il n'est temps avant fini, nous n'avons que une heure. Et je dis, un denier pareil. Et là, le patron expliquait. Ça passe à hasard, expliquait. Mais c'est maudit bien, ça. Et moi qui ai envie de donner un denier. Même il travaille une heure. Mais nous, on travaille 8h de temps, toi. C'est moi qui ai envie de. Mon premier toi, un denier, moi, donne-toi. Mais d'ici, moi, envie de donner un denier. Si moi, dis bien. Vous faites, moi, dispense, moi, dis bien, comme bon me semble. Bien, bon. Écoute ça maintenant.
Suive-moi, nous coupe ça bout de bout là. Écoute ça. Kouma ben premier là, il trouve le patron qui est Dieu unfair, injuste. C'est parce qu'il je jaloux ce ben dernier là. Je envie ce ben dernier là. C'est ce ben dernier là qui met le feu là. Parce que je gagne dernier. Maintenant, si mon camarade gagne 1000 roupies, mon demande 1000 roupies quand matin pour travail, mon camarade gagne 1000 roupies. Content avec lui, papa. Content le patron, content lui, ni. Mais la jalousie, voilà que moi vivini. C'est envie, la jalousie des autres qui fait un trou bon Dieu unfair. Tout le temps examiner de vous trouver. Si je peux trouver bon Dieu unfair, c'est parce qu'il se racine. It starts from jalousie, envy. Ils sont là. C'est sa racine que tout le monde fait. Ça va là, tout le monde fait parce qu'ils ont jaloux, ça va dire qu'ils gagnent 1000 roupies at the end of the day. Ils ont jaloux. Non, tu convenais, tu as 1000 roupies, mais ils prennent 1000 roupies à aller. C'est ça qui arrive là. Tu trouves que le bon Dieu paraît en faire, c'est la jalousie. C'est evil, comment nous dire. Evil, envy. Très important. Bon. Je dis comme ça, mais moi, je toute l'humanité par ce port-là. Je vais vous montrer ça. Jérémie 12, premier. Regarde ça. Il y a Jérémie 12, premier. On dit, allez, tu joues avec lui second. Voilà, 12, premier. Il y a lui second même. Tu es trop juste, éternel, pour que je conteste avec toi. Bon, il peut contester quand même. Tu es trop juste pour me discuter à toi. Nous causons créole. Mais quand même, Seigneur, j'ai envie de discuter avec toi. Mais quand même, Seigneur, j'ai envie de discuter avec toi. Je veux néanmoins, c'est ce qu'elle peut dire, hein? T'adresses ta parole sur tes jugements. Les bien comment se trouve un fairness, là. Ok. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Pourquoi les perfides vivent-ils en paix? Voilà. Tu regardes là? Jérémie, il peut guetter les autres. Il n'est pas rien, il est dans la case d'état, il en a dit le teu. Seigneur, je n'ai pas envie de dire toi, lui. J'ai envie de dire tout bas. Mais j'ai envie de dire tout haut aujourd'hui. Mais j'ai envie quand même de se comporter jugement. Tu apparaît une fée, là. Quand Jérémie trouve bon Dieu une fée, quand il guette les autres. Prospérité des autres, c'est pour lui. Si mon Dieu ne nie, quel bon problème? Quel bon problème? Est-ce qui, je peux carrément suivre moi? Oui, c'est la cause qui guette les autres. C'est la cause qui guette les autres. Tout le temps, quand tu trouves mon Dieu un fer, fouille-toi les cœurs, tu trouves ton guette les autres. Tu as envie les autres, tu ne salues les autres, tu focuses les autres. Et là, tu arrives à sa conclusion, God is un fer. But God is not un fer. Est-ce qu'il nous peut comprendre? Merci Jésus. Au lieu de focuser l'audio, il focus bon. Mais nous raconte ça, moi, pas il y a un tableau, sinon tu peux faire un dessin pour eux. Mais un tableau, il est loin là-bas, pas grave, là-dessous. Et pour exprimer, moi, tu peux écrire, bon, pas grave. Je te connais comment aujourd'hui, municipalité, je reste 4 mots de moi. Municipalité, l'IGS sur la ville. Quand je suis là pour rendre mon lac, je suis en municipalité, je suis mon contrat, je suis en papasserie. Monsieur, vous pouvez ranger la carte, comment vous pouvez ranger? Qu'est-ce que le problème? Mon lac, qu'est-ce que le problème? Non, pour lui dire, moi, mes amis, les palais qui sont la ville, je viens comment tu dis, moi, j'ai envie. Si nous me rendons la carte, comment j'ai envie? Il y a un autre qui est 3 pieds d'eau, mais ça pour mettre courant de l'eau, whatever, tu rentres la carte. Tu vois, la municipalité, il y a une règle pour lui régler sur la ville. Même council, même village council, il est comme ça. Dites comment bon Dieu régler ce village. Dites comment bon Dieu régler ce village. Bon, pas doucement, doucement. Vous avez beaucoup d'affaires intéressantes. Suivez-moi. Bon Dieu, il rend sur la tente d'assignation. La grande tente de deux chambres. Et un grand parvis, une grande cour, vous connaissez. C'est la tente comment c'était. On fait un dessin, vous autres. Au milieu. Et les dieux, ben juifs, restent around. Tribu. Je vais vous donner un dessin. Et maintenant, ils restent around. Prends-les comme ça, là. Reste autour de ça, la tente, là. Maintenant, je ne suis pas dans l'apôtre comme nous. L'apôtre comme ça, là. Non. C'est une toile, un truc qui fait l'apôtre.
once tu as ouvert la porte, tu n'as pas trouvé ton voisin, tu trouves la tente d'assignation. Whatever corner tu as resté autour de sa tente là, whatever tribu tu étais, once tu as ouvert la porte le matin, tu n'as pas pour trouver ton voisin. Tu peux trouver la tente d'assignation parce qu'il y a une belle structure qui est devant toi. Il y a une belle structure, ça. Qui tu as envie? Tu as envie de te focaliser au lit et pas les autres. Tu as envie de te focaliser au lit, mais pas les autres. Zodi, à cause de te focaliser sur les autres, tu trouves mon Dieu à faire. Tout le temps, tu te focaliser sur les autres qui trouvent mon Dieu. Ça mène qui un grand travail premier grand matin là. Mais travail n'est pas. Ouais, c'est ton problème. Ne pas trop faire comprendre. C'est maudit bien, moi, dedans, comment m'en vie. Mais comment se trouve mon Dieu à faire? Je me dis, il y a une faire, là. Dans sa parabole, pas parabole, mais le récit de Marc 20. Est-ce qu'il nous veut comprendre, frère et soeur? Oui, mon Dieu, comment nous trouve mon Dieu à faire? Afin qu'il nous déracine ça complètement dans la vie. Nous paraît trop mon Dieu à faire. Parce que mon Dieu, il fait tout le temps. Il est juste tout le temps. Il dit, Job, tu pour anéantir ma justice, tu pour déclarer moi coupable, pour donner-toi raison. Vous trouvez, c'est ça le problème. Nous continuons. On a beaucoup à dire. Peut-être que je ne connais pas arrêter, il est temps. Maintenant, comment il est arrivé que ça mène premier qui ne rentre travail, c'était un éveil et troisième. C'était un éveil, nous pensons que c'était un éveil, juste deux trans. Comment se trouve mon Dieu à le faire? Comment se trouve le patron à le faire là-dedans? Ce qui est arrivé, en travaillant dans the property of the master, en travaillant dans l'industrie, dans l'usine, whatever, dans le business de sa métier là, je commence à découvrir l'ampleur de sa business là. Mais c'est un business normal. On travaille dans un business. À un moment donné, on fait une figure, what the boss is. So belongings, combien? On a une idée, on a une idée. Maintenant, écoute ça, qu'est-ce que ça coûte venir? Parce qu'ils peuvent expect more than one penny, than un denier. Ils peuvent expect more. D'où comme ça mindset pour gagner more. Parce qu'ils ne peuvent pas signer grand matin, c'est agreement one denier. La le journée d'un homme de travail, un salaire normal. Mais pourquoi tu expect more? Écoute ça. Heure après heure, je devine greedy, cupide. La cupidité prend autre. Et dans autre, the business of sa patron là, je dis, waouh! Regarde, si vous travaillez avec François Hou, vous trouvez sa business là, il couvre la un bout de rivière. The boss is the boss. We can get more from him. We can get more from him. À cause de ce que les mots, je devine greedy, je devine cupide. Greedy, c'est cupide, non? Cupide. Cupidité. Pardon? Gourmand, voilà, gourmand. Je devine greedy, gourmand. Écoute ça maintenant. Je oublie cet agreement de un denier. C'est ce qui part trop bien, rappelez-vous, depuis quand matin, je suis causé. Je oublie ça. Greed, gourmand, cupide, fait oublier de l'engagement. Écoute ça bien, là, vous continuez là, merci Seigneur. Vous vous dites une affaire choquante. D'après 1 Corinthiens 6, le verset 10, on va pas lire. Il fait la liste de tous ceux qui ne pas pour rentrer dans le ciel. Pas le ciel, oh. Le ciel, bidon. Hein. Dans le royaume de Dieu. Il fait la liste de tous ceux qui ne pas pour rentrer dans le royaume de Dieu. Et dans ça, la liste là, et dans la cupidité. Vous imaginez-vous? Il y a la cupidité. Et la cupidité, c'est un dimon de gourma casse. C'est un dimon de focus le casse. Faire ce qui t'a envie, faire 50 rayons de la vie, faire 1 000 000 rayons de la vie. Je n'ai prié que moi t'as envie, tu pourras le royaume de Dieu. La cupidité mettant en dehors de la liste qui vient rendre dans le royaume de Dieu. La cupidité. C'est grave ça. Je vous donne un exemple. Le roi Akab, sûrement que ça veut dire la cupidité. C'est même dit, vous êtes greedy,
working in the business of the man, the mean greedy, the most gourmand. Parce que je veux que ça well off, ça me là, well off. Je veux de mots, plus, je tiens, moi, les plus. Bon. Nous prenons ça comme ça, mais vous pouvez l'expliquer en lieu pour montrer nos affaires. Le roi Akab, c'est le roi. Le roi Akab, c'est le roi. Il y a un citoyen du pays qui, à côté de Akab, sur la case, il y a un terrain. Les rois, tout en étant les rois, et la richesse infinie, ils ont vidé un terrain Saint-Michel. This is greed. Ça, c'est gourmand. Ça, c'est la cupidité. Ils ont vidé ça. La guette Michel, je l'appelle Nabot. J'ai dit Nabot, 20 terrains en moi. Nabot, j'ai dit, c'est histoire de la famille, ça ne va pas vendre. Il parle pas contre moi. Contre moi, c'est mon héritage au moment. Ça, il ne va pas vendre. Mon gars, mes enfants, c'est pareil, il n'a pas vendu. Mon mot des mains, lui, il dit, papa, pourtant, casse ça, je te vive. Non, vendez, non. Bon, je vais raconter un coup de texte mauricien, là. Hein? Living greedy. Living greedy. D'ailleurs, je compte bien qu'il dit ça aux femmes. Femme m'a dit, mais, et taille, toi qui es roi, allez, moi, donne ta terre, là. Je connais, moi, je fais un tracement, les tuines à bout. Fait un crime, madame, Isabelle, tu y vas, et elle dit, voilà, il a rien, tire un livre, c'est tout qu'elle prend. Qui m'a envie de dire? Greedy, il n'y a pas de ce qui paye. Ça, moi, j'ai envie d'expliquer. La cupidité, il n'y a pas frappe de ce qui paye. Non, il frappe les rois. Qui les rois manquent? Cupidité, il frappe tout le monde. Par cause de pauvre, de pays, tu es bien greedy. Et quand tu es greedy, tu peux trop bon Dieu faire. Tu peux tout le temps bon Dieu faire. Mon Dieu, ça, c'est simplement montrer qui. Bon, ça m'a bien des affaires qui peut-être pour dérange beaucoup, mais moi, assume ce qu'il me dit, quoi. Facebook, YouTube, whatever, don't mind. Pendant 55 ans, vous passez se prêcher, mais vous écoutez, vous écoutez les autres. Moi, je suis mal d'église, je n'ai pas dans le monde, moi. Je trouve beaucoup de pasteurs, beaucoup de preachers, beaucoup de ministres, de prêcher out of greed. De prêcher, mais toile de fond de notre message. Toile de fond de notre message. Comment moi, écoute un message, moi, écoute 5-10 minutes. Au final, il y a toile de fond de sa message, avant. Where it come from? What kind of mindset is behind? Qu'est-ce que tu penses derrière? C'est greed. Pour l'église, mais le message, il sort out of greed, out of la cupidité, gourmand. Et dommage. Et c'est même Timon là même qui vous trouve bon Dieu à faire. C'est même Timon même qui vous trouve bon Dieu à faire. Quand on commence à gagner sa histoire, gourmand à ça. Une autre raison. Bon, mais quand il fouille sa chapitre de 20 de Matthieu là, histoire ben, des ouvriers loués à différentes heures. Votre style là-dedans là. Merci Seigneur. Je devine ce qu'on appelle judgmental. Je passe jugement dans les autres trop facile. Seigneur, maître, je parle de Seigneur parce que je connais cette histoire du patron, c'est Dieu. Maître. Il y a une faire. Ça mène là. Je travaille il y a temps. Je devine judgmental. Je passe même jugement l'eau des autres. Et qui est Jésus-Christ dire? N'a pas dit personne, papa. N'a pas dit personne. Tu passes pour dit personne. C'est un carnal mind, ça. C'est une pensée charnelle, ça. Zise les autres. Tout le temps, quand tu zises les autres, tu trouves bon Dieu le faire. Tout le temps, ça. Tout le temps. Zou, tu peux dire bon Dieu, tu es une fée, tu es injuste, Seigneur. Rôde le toile de fond qui fait te dire ça. Tu vas trouver, tu es juge des autres. Tu es une judgmental des autres. Pourtant, la Bible dit hein, réjouis-toi avec ceux qui réjouissent. Riez avec ceux qui riaient. Pleurez avec ceux qui peuvent pleurer. Romains chapitre 12.
Tosten le Teneuf, pas beaucoup content avec toi. Hein, qui fait, il va nous prendre le Teneuf. Mais il va nous prendre le Teneuf. C'est lui prendre le Teneuf. Qui suis-je, moi, vous dire? Mais, vous pas content. Je suis pas content. Ami, invite-moi à content avec lui. Autant qu'il va nous prendre le Teneuf, puis qu'on tue, il est content, mais content avec lui. Et ça, vous l'étiez que moi, si Dieu est là, c'est le fruit de l'esprit, ça. C'est la fouille de l'esprit, là. Hein? Alors, ça m'aime qui qu'elle là, je vais vivre contraire à la parole de Dieu, je vais juger les autres. Et voilà qui mène du monde qui trouve bon Dieu, c'est hein? Une attitude de la vis-à-vis des autres. Je connais le riche et Lazare. C'est pas la richesse qui l'amène en enfer. Parce qu'Abraham plus riche qu'il dit. David plus riche qu'il dit. Tant d'autres plus riche qu'il dit. Isaac plus riche qu'il dit. Mais c'est dans le royaume de Dieu. Mais le risque qui fait les finales dans l'enfer et Lazare dans le royaume de Dieu, c'est sur l'attitude vis-à-vis de Lazare, ça. Lazare en vivant en miette, il n'est pas gagné. Vous connaissez ça? Lazare en vivant en miette, il n'est pas gagné. Il n'est pas donné. Et Dieu fait de sorte qui, dans l'autre vie, dans l'au-delà, tout ça, tout le monde qui est dans le royaume de Dieu, là, c'est ce que Lazare aime lui trouver. Envoyez Lazare à la case, mon papa. Dieu organise ça comme ça. Envoyez Lazare à la case, mon papa, viens, tu m'en. Non. Maintenant, il y a un livre, il y a Moïse, il y a les prophètes, il y a la Bible à lire. C'est ce qu'Abraham répond. Mais où est le problème? Le problème, c'est qu'il dit ce relation avec les. Mon frère aussi, hein. Si tu as une bonne relation avec les autres, peu importe, dis-moi. Bon, je crois pour moi, personnellement, moi adapter moi avec du monde de caractère difficile, moi adapter moi avec du monde qui a un caractère ok. Et tout forme du monde, je ne peux pas adapter. Je ne peux pas adapter. Je vais faire moi-même une comme ça. Je ne peux pas rien contre les autres. J'ai envie de garder une bonne relation avec les autres. J'ai envie de garder une bonne relation avec les autres. Peut-être plus tard, je pourrais raconter aux autres. Faire du monde mauvais. Ça, c'est dangereux ce que je vais dire plus tard. Faire du monde mauvais. Bon, ça, c'est une autre histoire. Merci Jésus. Je ne pas concerné moi, ce outil. Il y a 10 commandements. Content les Dieu et content les autres. Quand les autres viennent un problème pour toi, tu es plutôt bon Dieu, elle fait un. Merci Jésus. Maintenant écoute ça. Bon. Ma question à Dieu. Seigneur, qui fait ça mettre là, lui? Toujours là en 20, hein, c'est ma Matthieu 20. Qui fait les participer, ça va être premier là? N de nier, et je suis pas allé tranquille. Parce que c'est inconvenu, je parti pour trouver sa paiement, sa manne dernier qui peut bénéficier la grâce de Dieu là. Je parti pour trouver ça. À nous dire, 5 travailleurs, vini grand-mère, c'est qu'il y a un travail. 5 travailleurs, vini tantôt, 5 heures, il travaille le temps. Vous pas payer, ben là devant, c'est ben premier là. Vous payez premier là, vous dites, tu as un travail grand-mère, tu donnes un dernier, tu dis, attends, vous donnez un dernier, oui. Vous dites, attends, un dernier. Go home. Et là, moi, je vous donne un dernier là, un dernier, parti point là. Le feu. Mais c'est un qui fait des parties comme ça. Qui fait tout parti organisé, ça comme ça. Ça va être premier là, parti point en colère, parti point là, le feu. Parce qu'il te peut donner un dernier là aussi, j'ose. Je dis, moi non. Bon, mon temps qui fait mon faire ça. Bon, pour raconter tout là, c'était là. Qui fait mon faire ça. Merci, Seigneur. Et. Dieu dit à Magora, ça c'est un fait que moi que Dieu nous a une conversation là. Rarement vous dire ça quand même. Moi j'ai envie de faire ça pour montrer sa ben là, ben premier travailleur là, qui m'a dit rempli d'amour. Moi j'ai envie de donner sa ben après là, montrer moi l'amour pour Dieu. Moi j'ai envie de montrer moi l'amour. Moi j'ai envie qui se trouvait qui a un amour, on peut donner aussi ben dernier là, même salaire qui m'en promet tout le matin. Et moi, je dis, c'est bien, tu me dis fait là. Si tu fais dit comme moi, je dis en premier, tu fais correct. Tu fais dit comme ça, il dit, mais si moi, tu fais dit comme moi, tu peux dire Agora en premier, je suis parti pour trouver mon amour. Non, je suis parti pour trouver mon amour. Je suis fini, allez, maintenant, mon amour, mon amour. Écoute ça maintenant. L'homme, vous dites une affaire grave là. Moi, écoute,
nous pas capable pour l'amour bon Dieu. Vous pensez pourquoi comme ça là? Ça vient du mal. L'amour bon Dieu, dit tellement. Vous faites une parenthèse. Quelque part la Bible dit nous ça, Dieu habite une lumière inaccessible. Mon père a le verset en tête, mon petit ça de mémoire. Dieu habite une lumière inaccessible. Dieu pas reste dans le ciel. Non, Dieu pas reste dans le ciel. Ça m'est menti. Ah, c'est la religion. Hein. Dieu habite un royaume. Sa royaume, c'est un royaume de lumière. Et il est inaccessible. Mon produit, c'est la pitié. Ok? Dieu est amour. Maintenant, est-ce qu'il ne comprend l'amour, bon Dieu? Fouli, comment nous dire? Non, nous ne comprenons pas. Personne ne comprend l'amour, bon Dieu, fouli. Nous comprenons une boutte là-dedans, une partie là-dedans. 2-3%. 2-3%, hein? Pas 100%. Maintenant, écoute ça. Je vous donne un exemple. Qui fait ben juif une résée de Jésus-Christ? Attends. Nous, check un verset. Ça vient de mémoire, je check lui. Je ne veux pas dire bêtise, je check lui. Regarde ça. Mais c'est pas besoin d'arrêter. L'évangile de Jean. Regarde ça. Cette lumière est en véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Fais-moi une résette de Jésus-Christ. Ils ont encore opéré de Jésus-Christ aujourd'hui. Qui fait? C'est parce qu'il bondait. Il montrait son amour pour le monde, non seulement juif. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Ben, n'a pas capable de manger sa boule là. Il passe travers dans la gauche, cette histoire-là. Seigneur, mais juif, non. Où est ton problème? Mon vie content le monde. Mon vie donne le salut au monde. Où est ton problème? C'est ça, Morgos, qui ben juif avalé aujourd'hui et veut pas croire en Christ. C'est parce qu'il n'est pas capable d'avaler l'amour de Dieu. Il n'est pas capable d'avaler l'amour de Dieu. Et justement, ça ben Timona qui fait ce trou bon Dieu un fer, c'est parce que justement, il n'est pas capable d'avaler l'amour bon Dieu qui donne ben qui vient en retard, même salaire qui ben premier. Vous dites, Seigneur, tu vas dire bonheur, donne maintenant aller, zéro problème. Toi, tu peux te dire, il y a non. J'ai envie de montrer ma qui m'a content tout le monde. Je vous donne ma dernière devant vous même. Je vais te mettre, tu fais ce que tu as envie. Mais il y a tout fait. Quand le monde ne comprend pas l'amour, quand le monde ne comprend pas l'amour, il peut au moins une faire. Il peut au moins pas juste. Il peut au moins pas juste. Vous pouvez demander une raison que tu trouves bon Dieu pas juste. Merci Jésus. Je vais aller on et on. Je descends pas pour 50 minutes. Je vais prendre trois petites affaires avant de terminer. Partout dit comme ça. Pas si ça, pas, ma, ça passe de Matthieu 20 là. Non. Luc 15. Dites Luc 15. Grand garçon là, quand il vient, il y a une fête la case, vos graines, tuyer l'habillement, ce petit frère bien habillé, bague dans l'âme, etc. Il manque. Il est en colère. Il ne veut pas rentrer. La casse qui tous les jours, il rentre là-dedans, il travaille, il ne veut pas rentrer, il en connaît, puis qu'il y a une crise. Qui fait? Papa là, explique-lui, ton petit frère, tu es mort, il retourne à la vie. Je suis content de ton petit frère, moi. Qui peut s'amener là? C'est l'amour. Et lui dire, t'es unfair, papa. T'es injuste. Ton petit garçon qui ne prend son port, il a débangolé avec les autres. Zorti, il retourne, tu fais sa fête là pour lui. Une fête de 100 000 roupies. Right? Et moi qui l'ai de la case de travail, dites bien, si nous raconte ça, les bébés serviteurs, pas fils. Les bébés serviteurs, vous travaillez de la case, un petit cabrito, pas de moi. Tu es un fer. Les doigts, on va les bons dieux, tu es un fer. Qui fait? Parce qu'il va ne comprendre l'amour, bon Dieu. Si tu ne pas comprendre l'amour, bon Dieu, tu es bon Dieu tout le temps un fer. Tout le temps pour bien faire. Il n'arrive rien pour te faire un peu si faux. Pour comprendre l'amour, bon Dieu. Bien comprendre l'amour, bon Dieu.
Merci Jésus. Vous terminez avec une dernière pensée. Merci Jésus. L'autre raison, vous parlez comme cinquième raison, sixième raison, vous voyez. L'autre raison, comment dit-on trop bon Dieu, un fer. Injuste, comment le dire. Papa, là, il y a une grande affaire qui est extraordinaire ça, dans sa texte de Luc 15. Là. Il y a dit, garçon, tu peux rouler un petit cabri pour faire toi un camarade. Est-ce que tu n'as pas connu tout ce qui est là pour toi? Ce qui confirme, c'est que mon fait dire au commencement, le fils ne demande pas. Qui peut redire? Tu n'as pas pris un cabri, prends, il a fait une fête à ton camarade, ou à ta vête, envie, prends, allez, pour toi ça. Le fils ne demande pas, il va à la raison, et moi, il a raison. Bon, vous défendez ça, bec et gong, c'est bizarre. I don't mind les autres. Non, mais tout ce qu'il apprend, pas de problème. Je vous donne un exemple. Jay, mon garçon, mais il m'a regardé, il respecte du tombeau. Mais quand il la case, mais pas moi qui se mange, moi je devine, même si se mange. Il est mauvais à Caraïbe, il est mauvais à Portugal. Mais il est le fils, non? Il est le fils. Il m'a dit, moi, ça n'a rien à voir avec moi. Dieu, non, Dieu, il a joué. Ah, mais il a un moment. Non, le fils. C'est ce qui m'a parlé à Pédialy, qui n'arrivait au croire. L'Ipane comprend le principe du royaume. Qui Dieu comprend? The rule of the house. Dieu, moi, parce que Dieu, mon garçon, il comprend the rule of the house. Mais ce garçon, pas de comprendre the rule of the kingdom. Il pas de comprendre le principe du royaume. Si tu comprends le principe du royaume, il n'est pas pour trop bon Dieu à faire. Zodi, tout chrétien, pas que le principe royaume. Qui fait? Dans l'église, qui pressé? La délivrance, la guérison, la bénédiction, pématraque, tout ça là. Tout connaît le royaume? Non, mais l'église, on sait moi, c'est délivrance, guérison, prospérité. Est-ce qu'il y a quelque chose de délivrance? I'm not against. Est-ce que Jésus-Christ me prête prospérité? Non! Ni lui, ni Jean-Baptiste, ni ben disciples de tu me prêtes le royaume. And a lack of knowledge du royaume. And a lack of knowledge du royaume. Si quelqu'un connaît bien comment fonctionne un royaume. Un royaume. Et mon gros temps, le docteur Miles Monroe, quoi qu'il y mot, c'est quelqu'un qui veut mettre bel focus sur le royaume. Il se dit qu'il ne va pas le trouver. Miles Monroe. C'est pas quelqu'un. Le garçon n'a pas connu le principe du royaume. Et il est trop bon Dieu à le faire. Voilà même une raison qui fait le trop bon Dieu à le faire. Donc, à part écouter mes sages, il est au média. Je ne vais pas vous faire un récap. Mais je suis content quand mon Dieu dit à Job, tu prêt pour rendre moi coupable là? Et nous fait ça tous les jours. Tous les jours, nous fait ça. Sans comprendre pourquoi. Il dit, afin de te donner raison. Tu peux avoir une raison, là, toi. Bon Dieu, il n'est pas une faire, non. Jamais, bon Dieu, une faire. Si tu comprends l'amour, bon Dieu. Si tu comprends le principe, bon Dieu. Non, il n'est pas une faire, jamais. Si tu te focuses sur les autres. Et tu me salue, bon Dieu. Ça, mais tu es bon Dieu, de faire. Est-ce que nous ne comprenons pas ce qu'on dit, frère et soeur? Je vais terminer avec ça. Je ne vais pas terminer même là. Il y a un wrong gospel, l'évangile, à mon point de vue, vous dire bien à mon point de vue, critique-moi si vous voulez, qui ne prêchait pendant 55 ans. Pas tout, hein, je ne dis pas tout. Mais parmi, il y a beaucoup de wrong gospel qui ont prêché. Il ne m'a pas donné Paul Tau quand il dit comme ça, il a dit l'évangile. Un autre l'évangile. Si je te prêche un autre l'évangile, qui doit être maudit. Pas moi qui dis ça, c'est Paul qui dit ça. C'est l'évangile de bénéfice. Si, fait que il y a 35 ans, il y a une tasse d'histoire. Ça s'appelle la histoire, là. On a 69, donc mercredi, moi, qui a 69, là. Tasse d'histoire, moi, ici, moi, là. Histoire, là, moi, là. Mais c'est l'évangile qui tient comme ça. Retour bénéfice, regarde ça. Dieu dit comme ça. Dieu dit ça à Eve, pardon, c'est horrible de dire. Tu vas voir ça.
La chaîne, une bonne affaire qui banane me rate là-dedans. Là. Le diable pas connaît qui pied à lui. Il est ce qui m'a dit, il est en train pied là, tout ça ban pied là. Il n'est pas connu, il y a un autre. Alors je me raconte aux autres qui, Dieu lui-même, il est habillé. Le, plusieurs versets montrent que Dieu est habillé. Il a une robe. Ben non, s'habillé. Et tant Satan vient nous la tête, on dit une tunique. Quoi c'est? Un autre. C'est une affaire bizarre, là, et tous les dimons tunis. Et Dieu habillé, Satan habillé, l'annonce habillé. So what? Et dans beaucoup de choses qui passent, un autre, il n'est pas connu sa job, là, il n'est pas connu. Right? Mais elle rentre dans une pièce. Il vient que sa fouille, là. Et sa fouille, là, je dis, tu connais, il faut qu'elle ta bénéfice, ouvert l'intelligence, etc., etc. Il s'en sentit qui. Elle nous a raconté comment ça passait. Pour moi, dans le détail, puis tard. Il trouvait sa fouille là pour donner l'intelligence. Qui est libéré de ce bénéfice? Libéré de ce bénéfice dans something qui God in prohibited. Libéré de ce bénéfice dans quelque chose qui bon Dieu empêché. Libéré de ce bénéfice. Alors comment les piéger? Alors comment les piéger? Elle finit séduit? Oui, oui. Comment elle séduit? Mais parce qu'il a de ce bénéfice. Il trouvait qu'il fouille là pour faire éliminer l'intelligence. Ne lui débattre ça, c'est un autre sujet. Vous trouvez qu'à arriver là, mon frère, mon sœur, Simon converti en 77, et jusqu'à aujourd'hui, si mon parti gagne un orient, bon Dieu, tu peux toujours là, moi. Quoi qu'il me gagne, t'as ça à faire. Bon Dieu est bon envers moi. Mais même mon parti gagne un orient, même Satan qui rappe mon sept la peau. Sept la peau, il n'a pas connu la peau, il n'a. Même Satan qui rappe mon sept la peau. Où tu poulas aujourd'hui, moi. Où tu poulas aujourd'hui, moi. On va faire de mon bénéfice, moi. On va faire de mon bénéfice. Non. C'est qu'une pièce, Ève. Satan montre les bons dieux, un fer. Cette histoire-là, il montre les bons dieux, un fer. Qui fait? Parce qu'il est libéré de son bénéfice. Il est libéré de son bénéfice. Non, mon frère, mon sœur. Mon content bon dieu, mon terminé que ça. Pas pour ce qui bon dieu donne moi, mais pour ce qui bon dieu était lui-même. À cause de ce qui était mon content. Ce que nous comprenons, frères et sœurs. Voilà ce matin, nous sommes capables d'écouter le message plusieurs fois. Et comment nous trouvons bon Dieu un fer? Il n'est pas un fer. Non, il est juste. Bon Dieu, il est juste. Il est juste. Pas de tuel qui trouve ça. Pas de tuel qui pense ça. Job il pense lui. Jérémie il pense lui. Esaïe il pense lui. Un tapé à son âge, il pense ça. Bon, pas de prendre un verset là, mais un tapé à son âge, il pense ça. Vous trouvez? Alors, nous avons une compréhension ce matin. Bon Dieu, il est juste. Ce qu'il veut faire, il veut faire bien. Amen. Nous mettons debout ensemble. Merci Jésus. Merci Seigneur. Ce matin, Seigneur, je réponds à une grande question qui trotte dans la tête de beaucoup de croyants. Des fois, je trouve toi un fer. Je te montre que tu n'es pas un fer, tu n'es pas injuste. Et je te montre que c'est bien l'attitude qui nous est là, qui n'amène nous jusqu'à là. Comment te dire à Job, parce qu'il y a envie d'une raison. Père, me louer toi dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, me déracine toute sa pensée qui dit à moi, tu un fait. N'importe quand dans la vie arrive une histoire, jamais moi vous trouve toi coupable là-dedans, Seigneur. Seigneur, merci, tu n'expliques nous ça. Merci, nous comprenons ça, Seigneur. Amen. La chorale chante nous avec gloire à Dieu. Nous prépare la Sainte Seine. Nous prépare la Sainte Seine.
Merci Seigneur. Mon frère, mon Seigneur, nous peut célébrer la Sainte Seine. Il ne faut pas aller venir dans nos pensées. Bon, c'est une routine, on a habitué faire tous les dimanches. Non, non, non. Sainte Seine, ça fait bien sérieux. Je vais te dire ça. Et il demande nous la vie une certaine sanctification. Et ce qui est bon là-dedans, c'est qu'il nous capable de demander bon Dieu pardon. C'est peu importe qui nous le fait. Et Dieu nous pardonne. Laisse-nous prendre la Sainte Seine et la Sainte Seine qui donne bénédiction pour nous. Seigneur, merci. De l'écho qui me brisait. Merci. Merci pour de l'écho au Seigneur. Merci Jésus. Nous prenons. Merci Seigneur pour tes dissons. Merci Emmanuel.
que tu m'as donné. Tout ce que tu m'as donné, je te dis merci. Tout ce que tu as fait pour moi, je ne puis te dire merci. Merci Emmanuel, merci au grand Jéhovah. Merci Saint-Esprit, merci Emmanuel. Merci Emmanuel, merci au grand Jéhovah. Merci Seigneur Jésus, merci Saint-Esprit, merci Emmanuel. Amen. Merci Seigneur. Vous connaissez, frères, laissons-moi le front en avant. Laissons-nous ramasser le front en avant. Laissez le front aujourd'hui. C'est debout ce matin, nous louer le Seigneur ensemble. Me louer, bonté de tout le péché. Me louer, bonté de tout mon léguer. Et remplis-moi avec ce bon son. Seul esprit dans moi, va tout bêtement aller. Passe par un locus qui vainquait. Me louer, bonté. Me louer, bonté, de tout mon éclair, et remplis-moi avec ce lanceau. L'esprit de moi, ce l'esprit de moi, à tout fait pour aller, passe par le motus qui vainquait. Me louer, Oh,
Amen. Quand gagne une place, voilà. Écoute-moi maintenant. Quand va saisir, merci Seigneur. Je suis content de lire 1 Corinthiens 6, le verset 10. Beaucoup de chrétiens, beaucoup croyants aujourd'hui, beaucoup chrétiens, peuvent vivre dans une illusion. Ok, je connais le Seigneur, je gagne le ciel. Enfin, toujours le ciel, pas existe, je connais. Je gagne le royaume de Dieu. Mais l'apôtre Paul fait une analyse. Et quand il dit, ne vous y trompez pas. Détrompe-toi, sortez de ton illusion. Ni les impudiques, on ne va pas vous déchiffrer une par une, ni les idolâtres, pas parce qu'on tient la vieille Marie Coutou. Non, idolâtre, c'est beaucoup d'affaires. Hein. Ou l'argent qu'a eu idole. Ou le taux qu'a eu idole. Ah oui, ou le taux qu'a eu idole. Pour moi, le taux, c'est une ferraille, moi, c'est lui comme transport, et so what. Puisque ça, il n'y a pas été. En nous, peut-être, nous avons l'idolâtrie. Ni les adultères, ni les efféminés. On termine à l'histoire, après on vous donne l'affaire de l'efféminé. Ni les infâmes, ni les voleurs. Maintenant, je vous dis, tu me prends un couteau, un couteau, picou, coquin. Et dans les autres volets, non. Il prend la Bible, il vient coquin. Saisis-moi. Et dans le volet, il prend un couteau, il prend un ciseau, il prend un picot, il prend un couteau, un zombie, il met la suite, il prend un couteau, il y a. Mais, veille-toi à quelqu'un qui prend la Bible, il prend un couteau. Mais quand est-ce qu'on pense à ce grand monde? Voleur. Mon Dieu. Moi, je m'assume, hein, je m'assume. Viens débattre avec moi, mon bon Dieu, oui. Ni les cupides. Si vous êtes pressé, out of Cupid, battez-moi les trois calottes d'aller. Si vous trouvez ça, toile de fond, frère là, les cupides, ça. Battez-moi les trois calottes. Ni les cupides. Ni les ivrognes. Ni les outrageux. Ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Peut-être si ça fait l'eau efféminée. L'homosexualité là, hein? Regarde, c'est quoi l'homosexualité? C'est une petite fille, une madame, qui interprète ça à l'infinite, et a man trap in her. Mais une voisine, une petite fille, il habille en garçon, il comporte comme un garçon. Si vous demandez, moi, je vais demander, si vous demandez, je dis, I feel a man is trapping me. C'est ça l'homosexualité. Il file. Ou l'inverse aussi. Un monsieur qui dit feel a woman is trapped in him. On est une madame in Adoli. Alors il manifestait ben caractère féminin. L'homosexualité. Ça désaffaire là, tout le monde connaît ça. Mais c'est pour dire ceux qui ne sont pas connus. Parce que vous venez d'avoir prendre. Et dans tout le monde, il n'est pas parfait comme moi, mais écoute, il a la main de les pieds. Mais dans ses pensées, il est handicapé, les pieds dans les doigts. Qu'il fait? Il est pour faire, il coupe sur les doigts. Beaucoup de qui tiennent. Il m'a mis dans celle-là, il y avait la choc. Un zoom, et il y a un bon travail. Il y a une cloque. Il t'arrive sur les doigts. Je lui dis, what's going on? Moi non, moi j'ai besoin des doigts là. Il t'a sur les doigts. Et là, on a interprété ça, il y en a cisrophénie, quoi. C'est une maladie psychiatrique. D'autres, il y en a un joli figuier comme moi, comme où? Mais ça ne dit pas, ça passe au figuier, ça. Par exemple, madame qui est homosexuelle là, lesbienne là, à un moment donné, il dit à moi, il y a une madame, il est madame, il. Dieu ne crée l'homme et la femme, enfin, il n'y a pas de crépuscule. Mais il est là, il file qui est man in trap dans lui, il manifeste un caractère masculin. Il y a du monde qui il a une figure jolie comme moi ou mais il y a non, il y a besoin d'un cône, il y a besoin d'un boss là, il y a besoin d'un the devil look, comment il appelle ça. Et il n'est pas connu qui devil, pas ressemble à ça. Le diable n'a jamais été vilain. Le diable n'est jamais vilain.
Il est parfait en beauté. Plus joli que moi. Le diable plus joli que tout le monde qui est là. Alors, tu m'as dit qu'il fait. Vous trouvez là. Vous trouvez une madame, la femme d'hier. Pas elle, tu me connais, une dame, tu me connais. Vous êtes défigurée, bosse pas ici, cône par là. Dans toutes les cônes, il fait cône là. Faire cône par là, tatouage par ici. La langue, il coupe comme un serpent. Il coupe ça au milieu comme un serpent. Vous êtes pas connu, quoi, vous êtes là. Je me suis dit, là, qui peut arriver là? Il tombe dans la catégorie, c'est bien efféminé là. Il tombe dans la catégorie, c'est bien efféminé là. Qui n'est pas satisfait ce qu'ils vont bien faire, ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils ont été. Mais ils n'ont pas connu que ce qu'ils ont fait, ils ont été là, c'est diabolique. C'est diabolique. Tu vois? Maintenant, on a dit, c'est long, mon cas, bon, mais ça, on a dit, ben non, qui donnait ça, ben Dimoun, qui ont pu dire, à cause de moi, dans une tête de handicapé. Ou bien la tête de bien figure satanique carrément. Mais ça, pourtant, Satan n'est pas comme ça. Satan n'est pas comme ça. Satan est joli, Satan est extra joli. Il est parfait en beauté. Mais d'où vient cette idée pour mettre cône, pour mettre boule en bas la peau, pour faire pousser ça? Je connais social media. Donc, j'ai envie de dire ce qui est féminin, il ose. Il n'est pas si madame, il est Michel, une madame, non, il n'est pas si ça. Il y a beaucoup plus d'os qui ça. Elle nous dit peut-être que ça. Il y a beaucoup plus d'os qui ça. Aucun efféminé. Aucun double nature. Aucun double nature n'héritera le royaume de Dieu. Faites bien attention à ça. Vous trouvez? Pour gagner le royaume de Dieu, il est très très important. À cause de Jésus-Christ, il a fait tout pour qu'il te non y ait créé dans l'île de vie. Enfin, moi, c'est mon plus grand souhait, moi, c'est qu'il d'abord, moi, il me rentre. Moi, il me rentre. Et moi, je suis content que tu nous rentres. De toute façon, moi, là, pendant 15-16 ans, moi, là, mon but, c'est gagner le royaume. Est-ce qu'il nous comprend ça, frère et soeur? Bon, voilà. Et j'ai envie de voir ça, quoi qu'il y ait, nous oublions de nous rendre dans le plus grand détail. Et sinon, nous arrêter là, c'est aujourd'hui grand matin. Nous arrêter là, c'est aujourd'hui grand matin, pour nous retrouver le dimanche. Et malheureusement, dans la semaine, et puis, je me suis commencé à l'Assemblée de Dieu longtemps. Je ne sais pas comme ça. Quand moi,